va le parer. Comme ça, hein. Oh ouais, on part sur tous les éléments. D'accord, on part en retirant déjà le en retirant tout ce qui dépasse, donc toute la partie grasse. Et puis hop, sur cette partie-là, pareil, on vient en enlever juste un tout petit peu. Moi, j'en enlève toujours un tout petit peu. Ah ouais, vraiment la peau. Voilà. Et ensuite, moi, je fais un petit dessin, on peut dire. Un petit quadrillage. Un petit quadrillage. Au-delà c'est une scarification, côté... c'est pas du tatouage. Hein. Donc il y a le côté esthétique, mais c'est aussi pour permettre une meilleure cuisson. Hop, on démarre la cuisson sans matière grasse, avec tout le gras du canard, ça suffit. Oui, d'accord. Et alors là, tout de suite, on voit le gras qui fond. Voilà, le gras commence à fondre, c'est bon signe. Moi, je l'assaisonne directement. Et déjà, ça sent bon là. Donc à feu vif pendant 3-4 minutes. Donc une fois que la coloration est bien effectuée, on retourne. Voilà, je le retourne un petit peu. Par contre là, on baisse le feu. Hop. Oui, parce que là, il faut que ça mijote. Voilà. D'accord. Là, ça cuit, il ne faut pas que ça colore trop. La sauce. Je rappelle que c'est un canard à l'orange revisité. À l'orange revisité. Ouais. Donc là, on démarre le caramel, donc le sucre. Le sucre. Hop. Et en parallèle, on va préparer également une partie de la garniture qui va être des kumquats confits. Donc les kumquats, le kumquat, c'est ouais. Donc un petit agrume, voilà, comme ceci, très acide. Alors, pour le confire, eau, jus d'orange et sucre. D'accord. Tout simplement, les kumquats. Comme ça, directement. Après. Exactement. Ouais. Là, par contre... Dans le sirop, quoi. Une cuisson d'au moins 5-6 heures. Tranquillement. Je vais vous demander d'annuler tous les programmes de l'après-midi sur France 3. Hein, on va donc rester sur la cuisson du kumquat. Et voilà notre caramel qui a pris couleur. Donc le caramel a pris couleur. Et une fois qu'on a notre caramel, donc, on retire la poêle du feu pour éviter toute forme d'éclaboussure. Le caramel, oui, c'est dangereux. Parce que là, ça va mousser. Hein. Et je déglace au vinaigre d'alcool. Voilà la gastrique. Caramel vinaigre. Donc on est sur une sauce agrumes, donc orange et pamplemousse. Donc le jus de pamplemousse, de pomelo plus exactement, et jus d'orange. Vous laissez réduire quelques minutes. Donc là, moi, je vais rajouter directement mon fond brun. Par contre, à la maison, vous laissez réduire un peu quelques minutes. C'est un fond de canard ou... Non, c'est un fond de veau. Fond de veau lié. D'accord. Et donc, une fois que tous les ingrédients sont dans la poêle, on laisse réduire environ 5 à 10 minutes à feu doux pour obtenir, en fait, cette consistance. D'accord. La sauce. Sans du tout avoir mis de liant, pas de farine, rien. Il n'y a pas du tout de liant, il n'y a pas de farine. C'est juste l'épaisseur du fond. Exactement. Le fond et la réduction. On est parti pour la garniture. On est parti, on est revenu. On y revient. Donc, mousseline de carotte à l'orange sanguine. Donc, Du beurre. Les carottes, épluchées, émincées, bien évidemment. Alors, les carottes, une fois que ça commence à frétiller, on rajoute le jus d'orange sanguine. Donc là, pendant une dizaine de minutes, vous laissez cuire les carottes. Oui. Une fois qu'elles sont bien fondantes, vous les mixez pour obtenir... effectivement, la mousseline. Donc au niveau de la carotte, vous voyez, l'orange sanguine n'apporte rien de particulier. Par contre, au niveau du goût, vous verrez tout à l'heure la différence. Estelle Cavaroc a terminé sa recette de, on le rappelle, magret de canard avec une sauce acidulée. Voilà, c'est mieux. À l'orange. Exactement. Et puis cette mousseline de carotte à l'orange. Vous avez fait un petit jardinet dessus qui est ravissant de couleur. Qu'est-ce qu'on a sur nos carottes? Là, alors, c'est quoi? Là, on a du radis violet, tout simplement. Ouais. Là, ce sont donc des carottes à l'orange. Les tronçons de carottes. Exactement. La mousseline en dessous, quelques petits suprêmes d'agrumes. C'est beau, hein? Orange. Ah, c'est super beau. Ça avec envie. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis, on a un peu laqué avec le jus. Exactement. Voilà. Alors, la sauce est venue laquer le magret de canard. C'est Dimitri qui commence. Vous avez les couverts. Je vais passer une assiette à Antoine. Parce que quand il aura fini de tenir le micro de Dimitri, il sera crevé, il sera fatigué et il aura faim. Je le connais, hein, il faut le nourrir, le garçon. Voilà. C'est super bon. Le très, très bon. Bravo, Estelle. Hein. Merci.